Et salut tout le monde, salut l'Amérique. La billetterie de ma tournée américaine est ouverte. L'artiste musicien Fally Ipupa au-dessus de l'artiste musicien Kabasele Hervé Ferregola. Fally Ipupa est meilleur dans la musique internationale. Dans le top 10, il occupe la 8e place, tandis que Ferregola est limité dans le classement de musique. Donc, qui veut dire Fally Ipupa est dans l'international qui inclut toutes les catégories de vente de billets, alors que Ferré Limité qu'est dans la musique. Je vais vous expliquer dans cette émission. Au fur et à midi, appelle Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Nenan. Vous connaissez quand la combo? Oui. Fallit. Après, ça comprenant que, ah, vieux, à craquer Fali, Yamabe. À ça là? À craquer Yamabe. Mais la santé, Pembe Nanga. Ah, non, blanc, Fali, on a un grand chanteur. Et puis, quand tu as ton nom, maintenant, Ker est souki déjà. Ker venait souki déjà. Tu as dit, mais il est tout souki. Ah, ouais. Il y a un peu de vieux, vois-moi aux angles. Ah, vois-moi aux angles, non, si c'est bon. Mais vois-moi aux angles, il m'a prévenu, il dit, non, il y a un temps dans angles. Ah, j'ai. Vrai! Mais là, il y a une pour moi, on a le bâtiment à une fois. C'est un grand chanteur. Mais après, nous sommes avec qui? Tout le monde est comment? Tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es Fally ou pas? Mais quand on a, je cherche la musique à Fally. Pourquoi? Parce que, au lieu de mon côté, dis-moi, je suis un musicien qui a été fait au lieu de mon côté, dis-moi, je suis un supplié musicien bon. Dans la on a vu assez rabaissé. Et puis, bazo comme un guide, pour mouton l'andate. Parce que mouton, bazo c'est la pomme comme un guide. Et ça fait rigoler. On te fait rigoler. Attaque ketchupamba, mouton à la tique, au corolla tamote. Attaque chemise au yasomi, même couleur. Salé la bêti, au robet en dépôt. 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 C'est un grand, grand chanteur. Bah ça les est belé au fer à au pied à date naïe au tourbillé Jeux Olympiques au bah bah y a un slogan tcha date tant que bah retient la bango date t'es na ferry bah vous allez rabat guide sans suivi au ce moment au salin zéla bah balégui na bango t'es c'est que bota matite au salin zéla pour me buter l'équité et bota matite n'est pas confus bah ça la banzéla suivez les guides pour confier boire à suivre les guides. Ils allaient à Kenegi Olympia, à Ké Zénith, à Ké Bercy. Et comment ils m'ont tout Olympia, Zénith, Bercy. De Rosala Té, pour Anzela, et ça est belé. Donc, guide, oh, il a vu ça la guide, à Rolia Bilo, on a l'ambari et mort. Donc, voilà. Nézana, je pense que souci n'a pas un peu quelque part. Et ça que, bah, il va se créer les guides. C'est-à-dire que, on a la salle à guide, Quelle est la place que Fally occupe aujourd'hui dans la musique en Malaisie? Bon, moi je pense dans chaque génération il y a un guide. Je pense qu'aujourd'hui la place de Fally pour avec cette génération il est number one. Il est number one accompagné de tout le monde. Même réaction, même question. Pour la place de Fally, on l'a toujours dit.
actuellement dans ma statistique tout à la numéro 1. Solo lui dans le king na ko na posa peto sur la télé na posa photo télé non singa ka pe featuring de télé non baka ko esa vérité c'est très important quand même. Oui sont comme artistes aux arts, il faut ça la ouvert si on y a un canal on peut être battre bokan c'est chari na na besoin photo na na posa ko yo attaché de presse na pe na posa tout monde na na été temps tout sino kufa et a vraiment la projet na te pe photo na na posa na ngoti mais ça na on baka ka vérité pour Karim Mponzo ba yeba ki ya vérité on a pas dit la vérité vérité exact que bisonyo soto yebi que lelo na numéro 1 est bon compter c'est fallu toko wanga na poto wanga na poto sa polémique à Congo voilà c'est la zone du Congo ndé donc que kobude mais c'est la bimi libanda ya ya oh na mobile na place hotel la yebi que fallu ndé numéro 1 moto soit na rara po ezan na ndoule hein bo ba Carlito vel tout ba lobamba na di mambanda te mais so pour nos amoutou ba tout ba za ba adversaire a fallu la yebi o ba yo kaka o lo ba bi na filé. J'aime le courage de Wasekwa, mais je pense que les vieux ils débordent. Pourquoi? Musique obi sotolinga, yando. Yarumba, yarumba to konso. La forme populaire. Oh, pina ils ala rapina qui forme populaire. C'est cette stratégie. Faut, on ne doit pas nier. Fali mon tabi dagiam. Na forme à concert à mon néné qui yando molo néné to linga à l'époque. C'est Fali qui l'a fait. Mais ce n'est pas un trophée, ce n'est rien, c'est juste accepter. Oui, Azom si musique. Azom si musique, ça veut dire à débloquer l'euro moins Zakiwana avec les combattants. C'est encourager, c'est applaudir. Non, Fali Pouba est très puissant. La vie de son Ozo, c'est une Bercy. Donc Fali est très puissant. Celui de Kansara Kaza est léger. En tout cas, vous sous-estimez Kaza très très puissant. Donc autant de sa stade, ils ont un mot. Zoba ga Zoba. Zoba. Éternellement Zoba. Kata Zoba ya la po. Po. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés. Un grand merci du fond du cœur de continuer à liker, à s'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Un prochain numéro de cette émission, l'émission Pièce contre Pièce, qui présente cette émission, votre humble bel et bien serviteur, le général Mastor, le défenseur de l'artiste et musicien Fally Ipupa et porte-parole de tous les warriors dans le monde. Un prochain numéro de cette émission, nous allons parler de plusieurs sujets. C'est pour ça que je vais vous demander d'abord à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début. Je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dire au milieu. Je vais les dire à la fin. On a toujours l'habitude de vous dire que c'est la fin qui justifie les moyens. Et moi, je dis, et la Bible dit, vous mettez la fin d'une chose qui est son commencement. Donc, vous vendez d'abord la pénalité. Nous avons fait ça, mais nous avons preuve. Déjà dans la musique congolaise. Voilà. Nous allons commencer au premier sujet de cette émission. Depuis que le système vente des billets est banni, on est en train seulement de voir comment est-ce qu'on nous fait défiler des classements des artistes et musiciens. J'ai fait mes investigations
J'ai eu des informations vraies qui viennent de la source et vous allez le voir le jour du concert. Je vous ai parlé de 20 000 places au concert de Hervé Kabasele Ferré. Aujourd'hui, je vais encore sortir des vérités, des choses qui vont se passer. Vous le savez très bien que le master de la presse ne vous a jamais menti. Et je ne viens jamais ici parler des choses hein, sans pourtant qu'il y avoir hein, de pièces. Je fais des investigations. C'est pour cela parfois je ne fais pas des émissions chaque jour. Mes investigations aboutissent toujours dans quelque chose. Et quand j'obtiens des informations, j'obtiens de la vérité, je prends mon ordinateur, je viens devant vous pour vous parler. Aujourd'hui, on va parler de ces sujets-là. Boulanda Luengi Internet T. Moi, je sais ce qui va se passer et je vais vous dire. Donc, vous avez intérêt de rester jusqu'à la fin parce que vous en avez vraie vérité ce qui concerne You Arena Yakabasele. Est-ce qu'à Kokoué Namaï? Est-ce qu'à Salinini? Moi, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Vous allez tranquille. La deuxième des choses, c'est que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons parler de Fally Ipupa. Fally Ipupa, aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de sa billetterie à ce qui concerne sa tournée américaine. Donc, le concert au Canada et aux États-Unis. Donc, les États-Unis et le Canada, parce qu'il va d'abord commencer aux États-Unis. Et le Canada après. Aujourd'hui, c'est l'officialisation de... Donc, l'ouverture officielle de sa billetterie. On va parler aussi de ce sujet. On va parler de Fally Ipupa qui va prester, qui est la tête d'affiche de la francophonie en France. Nous allons vous lire, nous allons vous parler. Il y en a plein de choses. Mais nous allons d'abord prendre la première vidéo. La première vidéo qui est le rêve des artistes locaux. Tout le monde rêve Nabango et puis nous allons revenir pour parler. Tout le monde rêve Nabango et puis apaiser Botalandenge Fally Ipupa qui fait chanter tout le monde. Le public de Fally Ipupa, un vrai, des vrais publics Bata Solo. Prenons la vidéo maintenant. Johnny Macao, où mon aigle? Un coup. Bon, va publier des Oyemba. De ces fameux disques d'or, disque de platine pour Tokos, disque d'or pour Formule 7 et c'est des singles d'or Amore et Licolo. Thank you.
le rêve pour Nabaloko. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, c'est une vidéo de Fally Ipupa. C'est ça d'abord qu'on appelle la musique, mesdames et messieurs. Un artiste musicien fait d'abord la musique pour faire danser, faire chanter, faire découvrir les gens sa musique, son savoir-faire. Un artiste musicien n'est pas un musicien qui est fort aux insultes, qui est fort avec des gens qui sont là pour insulter et dénigrer les gens. Si la musique congolaise aujourd'hui est devenue Ndenge Komi Bongo, c'est grâce à Ebana Wenge. Bangom Tubaena Bama Finga Baena Ba insulte Nakatia musique. C'est eux qui ont amené les insultes dans la musique. À l'époque, les Kissinjo et les Sankara de Kunta les faisaient un peu bien là, dans l'Ongolana au Kissinjo parce qu'il y avait d'abord Sankara de Kunta, Blaise Elema. D'abord, c'est eux qui ont commencé à amener la musique congolaise comme ça. Et les gens qui ont adopté ça, ce sont Banana Bango, Ferré, Héritier, Fabregas et les autres. Ils ont adopté le même système, le même stratégie de faire la musique. Pas pour la musique, mais la musique pour les insultes. Quel jour un artiste musicien congolais va arriver à ce niveau, faire chanter tout le monde ses chansons? On vous a présenté la vidéo. Vous avez vu comment est-ce que le public était en train de répondre et chanter aux chansons de Fally Ipupa. Moi, j'appelle ça un rêve. Si les gens les disent, oh non, bah, dis-moi, ma future, mais dis-moi, amour, amour, reviens, mon bébé. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi me laisser. Une page s'est tournée dans mon livre, mais mi amor m'a blessé. Je t'aimais à mourir, j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a itor. Nana le layo mingi. Je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh. Zongelanga, mon bébé. Zonga. Amour, reviens mon bébé, pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je donnerai même ma vie pour te voir mon bébé, rends-moi la vie moins dit, mais reviens mon bébé, reviens. En fait, je connais toutes les chansons de Fally Ipupa. Je viens pas ici pour parler, juste pour parler, mais je connais. C'est la différence entre moi et d'autres communicateurs, des artistes musiciens locaux. C'est ce que je vous avais dit. Fally, il fait d'abord la musique qui bat du record, qui passe des frontières, qui touche le cœur, qui change des choses. Mais aujourd'hui, ce qui fait très mal, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui fait des efforts, on va lui comparer avec des gens qui font rien. Je vous dis, mesdames et messieurs, on met 10 ans en arrière. Quel est cet artiste musicien de la RDC qui a des chansons, des classiques, des tubes qui ont passé le frontière de la RDC si ce n'est pas que Fally. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, mais ils en ont. Sauf par exemple, les gens vont dire oh, Yopé et Inosbi, c'est lesquels qu'on sort. Mais ce sont deux chansons. Fally, ce sont des albums. Imaginez-vous l'album Formule 7 aujourd'hui. On vous avait présenté, je vais encore vous présenter à Marseille parce qu'il y a Nazoya. C'est confirmé. Marseille, Lille et puis Rotterdam, c'est confirmé. Les d'autres dates, là, on peut s'abîmer nos informations après. C'est confirmé. Donc Marseille, Lille, Rotterdam, je suis là. Je vais encore vous présenter des éléments et vous allez voir comment est-ce qu'il fallait pour pas et le portrait. Et les portes étendant de la musique congolaise, de la musique kurumba, de la musique de l'Afrique francophone et de la musique africaine dans le monde. Nous allons prendre la deuxième vidéo de cette émission qui parle toujours de Fally Ipupa.
on va prendre la deuxième vidéo. On va prendre, voilà, Fali Poupa en répétition. On va vous lire qu'est-ce qui se passe et puis on va aller. Prenons la vidéo maintenant. Fali Poupa encore, prenons la vidéo. L'aigle de la musique africaine en préparation, on va vous dire. Il est en train d'abord de préparer ce qu'on appelle, voilà, la photo va sortir. Festival de la francophonie du 2 au 6 octobre 2024. L'artiste musicien Fali Poupa est la tête d'affiche du festival de la francophonie du 2 octobre au 6 octobre 2024. Donc le musicien de Fali Poupa vont d'abord venir en Europe. La aigle va comment ça. Vont d'abord venir en France et en Europe pour prester pour ce festival. Après maintenant, l'artiste musicien Fali Poupa va traverser aux États-Unis. Les États-Unis, la billetterie est ouverte aujourd'hui. Les concerts vont commencer déjà à partir de quelle date? Donc, billetterie, Fungami Lelo, Bande Konangan, de Tosolo Baboué. On va prendre le message de Fali Poupa directement. À ce qui concerne cette billetterie, puis on va entrer directement au sujet. Prenons le message de Fali Poupa, plutôt qu'on t'envoie un sujet en billetterie. Prenons la vidéo maintenant. Le warrior se prend. Prenons la vidéo. Hey, salut tout le monde, salut l'Amérique. La billetterie de ma tournée américaine est ouverte. Montréal, Washington DC, New York, Atlanta, Dallas, on est ensemble. Achetez vos billets. Novembre, ça va être bien. Topos. Hey. Depuis que l'artiste monsieur Fali Poupa a lancé la billetterie, au Canada, ça frappe ben, le classement de la musique. Hein, meilleure vente. Hein, meilleure vente. Variété internationale, mesdames et messieurs. Attention, il y a la différence entre la musique du monde et internationale. La musique du monde, par exemple, on peut prendre le salsa, on peut prendre le ndombolo, on peut prendre tout, zouk. Mais variante internationale, c'est entre des artistes internationaux. Donc, artistes nyosso et monde. Donc, il y a variante, il y a musique, mais il y a artistes nyosso et monde. Fali Poupa, juste devant Janet Jackson, hein, la petite sœur de Michael Jackson. Meilleure vente, hein, variété internationale, donc on a plusieurs artistes, ici il y a des artistes renommés internationaux vraiment. El Sheeran, au moins El Sheeran Azana, au moins Fali Poupa Azana, au moins Janet Jackson Azana, c'est pas ma meilleure vente aux autres, mais c'est ma qui on a autre, le balangon on a souk à émission, il y a l'okuta, non. Au meilleur vente, il y a solo, au senti ba El Sheeran Bazana. Ba Janet Jackson, ba Fali Poupa, ba star pene a minene, ya monde bazawana. Donc, depuis ouverture, ya billetterie, ya ba concert, Fali Poupa occupe la 8e position na variété internationale. Quand on dit la variété internationale, c'est tout le monde, c'est pas variété quand il y a musique. Donc, tout tchina ba concert, ba ferry, ba concert, ba gims, ba concert, ba tout nyoso, ba tché, ba date. La variété na bango international, Fali Poupa occupe la 8e position, donc à la top 10 y a vente. Donc c'est très loin de la musique au Bozomo, on a qu'on a publié sur ce qui est musique du monde, ce qui c'est quoi. Musique du monde, je vous ai expliqué c'est quoi la musique du monde. Par exemple, musique du monde, déjà, par exemple, bah, Formule 7, Bablomo, bah, donc c'est limité. Donc il y a musique, donc il y a selon variété musicale. C'est pour ça qu'on a dit musique du monde. Mais ici, on n'a pas dit variété du monde, on a dit musique du monde. Je vais revoir la photo, peut-être j'en ai ici chez moi. Je vais voir pour ne pas dire des bêtises. Voilà, si j'avais raison, ils ont dit meilleure vente musique du monde. Donc, c'est la variété musicale et non artistique. Donc, la différence entre variété musicale et variété artistique, c'est ça maintenant. Quand on dit meilleure vente musique du monde, c'est resté quelque part. C'est limité que dans la musique. Mais quand on dit meilleure vente, variété internationale, même les comédiens qui ont mis leur date, donc
ils sont inclus. Même bah UFC, même bah donc même bah catch, même bah ni donc ils ont le droit variété internationale. Il y a vente, il y a billet. Donc meilleure vente variété internationale, c'est largement différent que meilleure vente musique du monde. Musique du monde, c'est limité qui est dans la musique. Donc, variété internationale inclut aussi musique du monde. Donc, nakati ya variété internationale au Fali pour pas aller na top 10. Et au côté sapena au ba Ferre Baza, au ba Gims Baza, au ba Dadju Baza, au ba Tutu, parce que bango ba na variété musicale. Quand on dit meilleure vente variété internationale, ça inclut tout. Donc, musique, sport, danse, théâtre, tout ce qui se passe dans le monde. Donc, ils ont la variété internationale, c'est compris. Donc, pour expliquer un peu, dessiner, faire montrer le genre, la différence entre quelqu'un qui est dans le classement de meilleure vente variété internationale et quelqu'un qui est dans le classement musique du monde. On a bien précisé. Peut-être, il y a aussi, donc, quand je vais vous expliquer, il y a le classement musique du monde, il y a le classement sport, il y a des classements théâtre, il y a des classements, je ne sais pas quoi, comédie, quelque chose comme ça. Il y a aussi des classements, donc c'est un peu différent. Donc, bah, kaboli, bah, étape, bah, kaboli, bah, branche. Donc, branche, il y a musique, branche, il y a sport, branche à théâtre, branche sur quoi, t'es kababillé. Sur mon nom, t'as un classement, il y a musique, donc il y a la limitation, il y a musique. Mais bon, mon histoire, disait, l'eau va faire, il va publier la musique. Lui, il est limité dans la vente musicale. Donc, dans la variété internationale, il est introuvable. Donc, dans la 4, il y a variété internationale, artiste est ferré, kabassé les azate na 4. Vous avez compris, mais il y a 4 variétés internationales qui incluent la musique, la danse, le sport, le théâtre, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe. Donc, Fali Ipupa occupe la 8e position dans le top 10. Et la différence de ça, si vous regardez dans le classement des Ferre, vous allez trouver personne. Dans la 4e classement des Ferre, vous trouvez un artiste moroté de renommée internationale en fait. Surtout à l'Ukuna. Artiste, oui, c'est un combo d'artiste Nino Boebi dans le classement en affaire. Peut-être Asake, je ne sais pas, peut-être Asake, mais oui. Mais c'est meilleure vente musique du monde. Donc là-bas, il y a la rumba, il y a le ndombolo, il y a tout ces, il y a le salsa, il y a la zouk, il y a toutes ces choses-là. Donc, il y a la musique qui est limitée. Mais ce qu'il fallait pour pas dans le classement, meilleure vente international qui inclut la musique et qui inclut de tout. Je crois que on se fait compris. Donc Fali Ipupa, il est tellement au-dessus parce que c'est un artiste international. On est en train de lui classer dans des classements internationaux et non des classements limités par la musique, le sport, ou soit le théâtre, ou soit quelque chose comme ça. Donc il est pas limité, mais il est au-dessus. Aza vraiment l'icolo. Il y a un classement au chez la mission internet entre soi-disant Kabasele na Fali Ipupa. Donc c'est les hauts et les bas. Ils ont l'eau là, n'ali felou. C'est les États-Unis et la RDC. C'est les États-Unis. Donc faire un RDC, Fali ce qu'on a classement dans les États-Unis. Donc dans les États-Unis, on a beaucoup d'Américains, Américains, beaucoup d'Anna bas France, beaucoup d'Anna bas Canada, beaucoup d'Anna bas Allemagne, beaucoup d'Anna bas Russie, beaucoup d'Anna bas Angleterre. Ce que Fali a zo bunda na bas Russie, na bas Canada, na bas Angleterre. Faire ce qu'a zo bunda n'andenga ndule, a zo bunda kaka na bas Bangladesh, a zo bunda na bas Djibouti, a zo bunda na bas Éthiopie, a zo bunda na bas Jara Bamboka, na bas Tonga, a zo bunda na bas pays membres. Oh yo, ils a limité en fait. Vous comprenez? Donc c'est vraiment limité qui est dans la musique et non en dehors de la musique. Je crois que vous avez compris la différence de ces deux classements entre musique internationale et musique du monde. Donc c'est comme ça. L'artiste Michel Fali Ipupa, en préparation de ces fameux festivals que nous allons aussi vous dire, nous allons prendre ce qui fait la grandeur de Fali Ipupa, c'est ça et sa fierté. C'est son savoir-faire. On va voir. La RDC a battu la Guinée de hier. 1-0. Regardez ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Et puis nous allons revenir pour maintenant parler des sujets croustillants que je vous avais promis. Donc, toujours vidéo. Si on va diminuer un peu les sauts pour les droits d'auteur. Prenons la vidéo maintenant. Descendez au stade. Descendre dans le stade des Martyrs.
207 kilomètres. 207. Bon, mon stade est martyr. Donc, en attendant avant match, ici c'est en Chine. Variété internationale. 207 en Chine. Tout le monde. Pas chinois, bah, y'a. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui fait la différence, dans, même dans des classements. Fally Ipupa fait d'abord la musique qui cartonne, Fally Ipupa fait d'abord la musique qui marche. Et c'est ça qu'on est en train de lui voir, même très largement, différemment, dans des classements de ventes et autres. Voilà, Bomoni, stade des martyrs. Et puis, oh, Bomoni, on a Eza, na Chine, Babeta, descente. On va prendre Blana Mosaka. Tolanda, Blana Mosaka, et puis dans côté là-bas, vérité, tout entre. Vente à billets à faire, vérité, Zobima, Awa, et puis tout, Kenaba, si j'ai tout, Nzela, ma combalama, en fait. Tout Blana Mosaka, si vous prenez la vidéo maintenant. Après, ça comprend, il y a vieux Akrakafali, Yamabi. Asana? Akraka, Yamabi. Monsieur, c'est ce que je vous dis en fait chaque jour ici. Je vous amène des preuves, je vous amène des vidéos pour vous expliquer que Nyonsonaim Sarabino na katia makambo o ele kaka awa. En fait, na memarelo ko ya sikate na memaka ba pièce et puis na zaka mutumo ono kende avant temps. C'est moi qui vous ai dit que la plupart des personnes o ba finga kafali neti ndombolino na solo la na ye. Ce qui a fini à rafaler, c'est parce que a beba nana ba poche ya fali poupa ba chai sou sou pembe na ete. Donc la plupart de tous ces gens là baza ba to oba ina falite.
Bazani bafan bazaka ka bafan révolté bazani bafan ya ba faire ya ba retenir de makosa rabang. Ce sont seulement des fanatiques révoltés et Fally l'avait dit parce que Fally c'est un génie qui l'a compris que non en fait toutes ces personnes là ont dit des ont parlé du bien ya Fally lelo lobby et puis ba changer. C'est parce que parfois ils n'ont pas trouvé leur compte. Blana Moussaka l'a dit maintenant dans la vidéo. Si il s'attaque à Fally Poupa, c'est parce que pour lui, Moussaka au quartier a aidé Fally, a contribué dans, la, dans les choses de Fally Poupa, pour ne pas dire la carrière. Et soi-disant, lui aussi, il a contribué. Donc, comme il n'a pas encore trouvé son compte aux côtés de l'artiste, il a décidé de commencer à lui attaquer. Mais Blana Moussaka, ça, ce n'est pas le démarche. On ne fait pas des choses comme ça. Si on veut obtenir ce qu'on en a besoin, on commence d'abord par chercher la personne, par contacter. C'est ce que j'ai dit à Andomoline, en fait. Il m'a appelé, après ma concert, il y a LDLC Arena à Bordeaux. Andomoline a bien été tout seul pendant 2 heures du temps. On a mis bien 2 heures du temps, on a parlé de tous les sujets. Moi, je lui ai expliqué, frère. Fally, t'as rien fait, mec. Tu t'acharnes envers une personne qui t'a rien fait. Il m'a dit, oh non. En fait, il fait ça pour que le message puisse y arriver chez Fally. J'ai dit, mais c'est une mauvaise démarche. Il fallait chercher ton grand frère. Il faut chercher ton vieil. Si tu as un problème, si tu as quelque chose... C'est moi qui ai dit Andomoline. Si tu as quelque chose à régler avec monsieur Fally ou pas... Faut pas regarder qui est Dibadiata, faut pas regarder qui est, je sais pas. Va direct. Nous aussi, on a rencontré des problèmes avant d'arriver aujourd'hui là où je suis avec Fally Poupa. On a envoyé 8 strikes dans cette chaîne par M. Ejiki Tengue que je salue aujourd'hui. Quand j'ai commencé les choses de Fally, on a envoyé 8 strikes. J'ai bien dit 8 strikes dans cette chaîne. J'ai pas changé d'idée parce que je tiens l'artiste dans mon cœur. Na balouke la Fally te na banda Robert Masasi. Na contacta Fally directement, na expliqué vieux problème et ça boue 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 boue. Moi je suis venu à U Arena. Na ma propre fond na ngabo ba mbongo na ngaba hôtel ma mutu tutu ya ngamoko. Na soma na babia ya entrer. Non, na tu vas ouais. Muta sombela na Johnny Maka. Les boss tranquilles depuis la Norvège. À Sombelang habillé à entrer les boss tranquilles. Il y a U Arena, si je ne me trompe pas, oui. Moi, j'ai fait 7 jours en France avec mes propres frais parce que j'avais eu du retard et à cause d'organiser. Il y en a qui n'ont pas eu UNGT. Moi, je n'ai pas rencontré Fally Poupa. Je devais lui rencontrer un lundi quand je suis arrivé à l'aéroport de Charles de Gaulle. Ils ont joué à Souka et répétition à Fally. Bakata qui répète ça à l'heure. Mais après, Fally était tellement embrouillé avec des choses, avec tout. Il voulait réussir son concert à tout prix. Je ne lui ai pas rencontré. Il y avait des gens aussi qui... Bon, ben, nous, Tchelanga Bakal à l'époque. Avant que Aigle a reconnaître Boulot, a certifié Ngayemoko. Ndenge, ba Warrior, d'abord, reconnaîtra Boulot avant Fally. Bino Koutoubo Mouna Aboyebi, Bitoumba Nassala en Internet. Autodéfendant Nama pièce contre pièce, Boyebi, Bino Moro, ba Warrior. Fallait aller découvrir des bonbons na komi proche ya Aigle ndenge na zabo dans les dans la Marseille na okende bonbons na tokuta na Aigle parce que na za proche na koti na kati système Fally Poupa. J'étais patient, je j'ai pas changé mes idées bonbons na te na zongi na yore na bandi otumba Fally. Non, j'ai pas fait comme les autres parce que un très bon démarche c'est d'abord être patient. Ah, parce que la patience paye. Après que d'être patient, il faut contacter la personne. Mais Blana Moussaka, ce n'est pas un très bon démarche. Et aujourd'hui, Blana Moussaka reconnaît les valeurs, reconnaît le talent, reconnaît le savoir-faire de Fally. Parce que Koffi Olomide a demandé pardon à Fally. Parce que l'audio de Koffi Olomide pour réparer, pour faire un peu, pour arranger sa relation avec Fally Poupa est fuité. Et si l'audio ne fuitait pas, les gens n'allaient pas savoir que Koffi Olomide, ce qu'il fait là, c'est de l'hypocrisie envers Ferré, envers Héritier, envers d'autres artistes. En fait, il ne tient pas tous ces gens-là dans son cœur. Je vous dis tout ça. Même Domoluna, Alingara Ferré était Alingara Bami. C'est un fan à Fally Poupa. Ben grand fan de Bomona Rawana. Trésor Congo, Lobana. Moi, je vous dis, je connais.
bah Charlie Ponce n'est pas bien à l'époque. Avant Charlie Ponce, n'am tu n'as pas bien, n'am tu n'as pas vu sa vidéo Charlie Ponce, n'am tu n'as pas bien à m'aider, à zoka m'aider. Oh, le mot il sait pas faire. N'am tu n'as pas bien à monter l'ibosso que Charlie Ponce grand warrior. Les autres ceux qui ont. Il parle de Fally Ipupa même mieux que Bato Babanda na Fally Nakala. Il connaît tout de Fally. Mais comment il a fait pour connaître tout de Fally parce qu'il était proche de Ferrego là? C'est moi qui vous dis tout ça. Blana Moussaka qui dit la vérité. Voilà les conséquences. Voilà là où on est arrivé aujourd'hui. Juste parce que Koffi Olomide a demandé pardon. Et le pardon de Koffi Olomide, Fally Ipupa l'a ignoré parce que Fally n'a pas senti que c'est un pardon sincère. Fally, en fait, pardonné à Koffi Olomide pour n'aïsa pardon mon sincère. Il a gardé ses distances envers le grand Mopa. Il a gardé ses distances. Parce que pour lui, le pardon là n'est pas sincère. Et moi, je soutiens l'artiste, on va dire quoi. C'est son démarche, c'est lui qui connaît mieux. Et l'ongol si bateau, échanger ses bateaux, esprit, échanger bateau. Parce qu'en coulisses, Koffi Olomide regrette, en fait, sa relation ancienne avec Fally Ipupa. Comme David Monceau aussi l'a fait. Comme toutes les personnes qui ont quitté Fally Ipupa. Parce que Fally Ipupa, c'est un bon type. Fally Ipupa, ça l'a battu ma bête. Fally Ipupa, azara na proyana moutoute. Même Ferri, wana yenem taza proyana Fally. Parce qu'il envoie tous ces gens-là, ces chiens-là, bafinga Fally. Fally n'a jamais eu de problème avec les gens. Moi, je vous dis, je connais. Naibi Moutouana na Zoloba. Je vous dis, je connais. N'a personne qui n'a mis l'esprit, n'a qui vrai warrior, vrai soldat, avant de certifier un paègle, n'a pas changé Mindouk. Imaginez le moins placement à Bozu, avion, à hôtel, à billet, à tout, tout, tout. Ok, ti ou à Réno assisté à un concert, au sali promotion, au sali Mambutu, au côté d'un aigle, ti ou zongi. Bah, t'as l'esprit, mon kibé, n'a pas changé, hein. Je ne sais pas si la vidéo de Blana Moussaka que j'ai maintenant, c'est la même vidéo. On va écouter un peu. Et puis, voilà, on va prendre encore la dernière vidéo de Blana Moussaka. Et puis, on va parler de Ferrego là. Prenons la vidéo maintenant. Après, ça comprenant que vieux à Kraka Fali, Yamabé. À ça là? À Kraka et Yamabé. Quatrième Fali. Donc, ma mamie, ma marifa, Didi Sondiston, Fali. De la Santaï, Pembe Nanga. Ah, nous, Blanc, Fali, on a un grand chanteur. Et puis, quand on a ton deuil maintenant, quel est Suki déjà? Quel est Suki déjà? Tu vois, il y a tout Suki. Ah ouais. C'est pas un grand chanteur, c'est un génie. C'est un grand chanteur. Mais après, voilà, mesdames et messieurs, on va entrer maintenant au sujet vente des billets. Aujourd'hui, je vais prévenir aux fanatiques révoltés, les Kabasélois. Ne vous contentez pas de ce que vous êtes en train de voir chez Ndombolino. Je vous dis encore, ne vous contentez pas de ce que vous êtes en train de voir chez Ndombolino et surtout ce que vous êtes en train de voir dans les pages de Ferrego là. Ferrego est entouré des amateurs, des gens qui ne connaissent rien. Les gens qui sont que incapables de ramener l'artiste à la grandeur. Je vais vous dire quelque chose. Les billets au bozo mon ezote kama en fait et que na maboko ya batouté. L'artiste musicien na batuna ba sali même système au ezalaki na Adidas Ofele Arena. Bango moko ba sombi ba billet na kati do bazo laisse sa musique nenga fallait aloba.
bango moko basombi babiye na bibiye bango moko basombi lelo na zo sabino ba informé na ke babiye komi ko sala distribuer na ba épicerie ndenge basala ki na Genève ndenge basala ki na Adidas Arena ndenge pe ba osa touro touro na ba pesa ki ba era ba pesa ba ndomolino e revesa ki touro ba changer stratégie ba lobi ba repesa ngo kanga na bato ya confiance mais nga lokola na za journaliste investigation na kotika ta mfinda na zui information ba bien na bango na minito na zo bisabino eza na maboko ya bato koti jonga mais jonga epe na stratégie ke non ba tubaye bate mais nga na yebi ils ont en fait acheté un nombre de billets en l'instant que je vous parle. Ba billet tout bon monde a teki na ba journée za 3000 billets oyo ba ngomo ko ba sombi ba fanatique na bité combien ba sombi mais faire na ba tuna ba sombi 3000 billets na configuration à 20000 places. Ils ont dit à la salle de garder la configuration de faire égal à jalousement. Avec faire égal vous allez jamais savoir si combien de billets sont vendus et de quelle place parce que sur côté na kati site ezo la sabino configuration et vente té. Et sa stratégie où tu n'es pas à faire égo là na producteur na ya congolais na mdega ça ba ko production. Na minute ba bien ko type épicerie et ko tu pas jong ba bien za na maboko ya bato. La première stratégie bon ça la ba te kango na Château Rouge. Ba ba no proposer ba som te homme la masanga, muta ko lia muta et comme ce qu'on a une stratégie moi propre po ye ba na te. Na biso da to yebi, nga na yebi. Moko ngali solo yo ndenga na esaka bino candidat sare na zora 3000 places ndenga na esaka bino ko zana ba rideau pe ko zana mpiaka ndenga moko na yo arena ko zala eza de yana o katikati et puis ba rideau ko zala plein et puis ko zala mpiaka je sais pas sauf à l'imprévu que non ba 2025 pe a musika mais pour l'instant c'est comme ça na minute yo ba fanatique o ba somba bien ezo ye banate. Mais fait rigolo na batuna ba sombi 3000 billets bango mo ba sombi 3000 billets et côté de l'épicerie et côté de je pas ba maman ya ba Château Rouge et puis ba billet et côté pas jonga donc bando proposer ba ndenge mo ya stratégie sont tayo mais la masanga mtayo ko lia mtayo ko sale lo na e ba puis ba billet ya kabasse les a au sombate. Et puis stratégie monsieur Rosala bako kabola babiye soki babiye wana ete kamete parce que bango balingi basala à tout prix baton di sa salwana abon attendeur salut na ben di bafana kabase le mato ibo se pelana noté parce que ma soleza un peu compliqué côté nabino babiye zote kamate monta ko sabino te babiye zana katia maboko ya bato afere. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est votre bel et bien humble serviteur, le général Mastor, le défenseur de l'artiste, monsieur Fally Poupé, porte-parole de tous les warriors dans le monde. Partagez dans vos pages respectives sur WhatsApp, sur Facebook, faites tout ce que vous voulez. Je vais saluer Guy Mumbata, l'architecte, le grand architecte. Je vais saluer Johnny Maka depuis la Norvège et le boss tranquille. Je vais saluer Maman Louboutin, je vais saluer Maman Yeti, je vais saluer toutes les personnes qui me soutiennent. Maman Cécile Mbeya, je vais lui saluer aussi. Je vais saluer Marcolino d'Aroma, Montema et Clarisse Lupengi depuis l'Angleterre. Big salutation à Maman Angelina depuis la Suisse. Big salutation à tout le monde. Bofongo la Moutou, Bofongo la Mayele, ba fanatique ya Hervé, bo sepelana noute, rendez-vous le jour J. Bo lobake nazala ki prophète. Bo lobake non, le master de la presse avait raison. Pièce contre pièce, j'ai des informations vraies qui viennent de la source. Les billets ne se sont pas vendus. Les billets sont bien repérés, ils sont affaires, bango moko. Et puis, les billets sont à Djonga, ils sont à Bépicerie. C'est avec ce mot que nous allons mettre un terme à cette émission. Je vous aime tellement beaucoup. Nous allons se retrouver un prochain numéro. Eglomata, bisous, bye. Bokeba, Bokeba, les jours d'avril.